c'est que Marx a dit des choses qui restent valables quand on les regarde, sans a priori, sans chercher à faire de l'antimarxisme primaire. Quand on regarde la situation sociale, tout ça, on voit bien que malgré tout, Marx reste valable pour pas mal de trucs en ce qui concerne les conditions de travail, les rapports avec le patron, les acquis sociaux, le partage du temps de travail, tout ça. Il doit bien y avoir quelque chose de vrai dans cette histoire de lutte des classes. Et va dire à un mec qui a plus de boulot que le capitalisme, c'est mieux que Marx, hein les gars? D'après moi, on comprend mieux Marx quand on s'est fait licencier. Et c'est la fin de la journée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne perdez pas de temps. Il est 5 heures? Je n'en disconviens pas. Il est effectivement 5 heures. Permettez-moi seulement de vous faire remarquer que demain matin, il sera 8 heures. Permettez-moi de vous faire remarquer que vous pénétrez dans ce bureau à 8 heures et 1 minute. Je comprends tout à fait qu'à 17 heures, il vous faille partir à la seconde selon une ponctualité tout à votre honneur. Mais j'entends que cette ponctualité à laquelle vous semblez particulièrement attaché se manifeste aussi dans l'autre sens. Je voudrais remarquer qu'en quittant le bureau à 5 heures, il me faut quelques minutes pour sortir de l'entreprise. Si bien que le temps de reprendre mes affaires, retraverser les couloirs et finalement sortir de l'entreprise, il est dans les 5h05. Oh, j'aime les voir travailler. J'y resterai des heures. Oui, continue. Tu es à cheval sur les horaires, toi. Il n'y a jamais de temps mort avec toi. Les rendez-vous te prennent tout ton temps et tu n'as pas une minute à toi. Hein. Ne me bouscule pas. Tu es un travailleur de force. Oui, tu es un travailleur de force. Un vrai staccanoviste. Un forcené de travail. J'aime ta masse laborieuse. Continue. J'aime quand tu me besognes comme une bête de somme. T'es un vrai mulet. J'aime quand tu infliges à nos ébats une cadence infernale. Jamais de pause, non. Calme-toi, Jean-Louis, calme-toi. Cet homme ne te vaut aucun mal. Quelles sont ses vieilles peurs? S'il t'a montré les dents, c'est sa façon en lui de sourire. Il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Avec vous. Je ne conteste pas la longueur du parcours qui, il est vrai, s'avère être rigoureusement le même à l'aller comme au retour. Le temps dont vous parlez ne fait absolument pas partie du temps de travail pour lequel vous êtes salarié dans l'entreprise. Donc, on rentre dans l'entreprise à 8 heures. Non ! Quelques minutes avant. Vous êtes payé de 8 heures à 17 heures. Il vous faut pénétrer dans l'entreprise quelques minutes avant 8 heures. 8 heures moins 5. Exactement. Tu as un travail. Tu t'es beaucoup battu. Ne l'oublie pas. Tu mérites de t'en sortir. Tu ne dois rien à personne. Tu as un appartement.
Bon. L'appartement qui sautait, mais enfin. Regarde le chemin parcouru. Tu as des perspectives à venir. Ça, c'est pas donné à tout le monde. On ne part pas. Ça va. Aide-moi plutôt à faire les valises. Je suis sérieux, Thérèse. On ne part pas. Bertie veut que je lui rende le dossier dans 3 jours. Je n'ai pas pu dire non. Jérôme, mais tu plaisantes. Je ne plaisante pas, Thérèse. On ne part pas. Enfin, les bagages sont prêts. Je n'ai pas pu faire autrement. Comment ça, tu n'as pas fait autrement? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va mal en ce moment dans la boîte. Nous sommes un certain nombre à être sur la sellette et si ça continue, on va tous y passer. Tu n'as jamais parlé de ça. Ça va très mal. Si je ne lui rends pas le dossier dans 3 jours, et les fichus me créent des problèmes. Des problèmes? Mais oui, Thérèse, des problèmes. Enfin, Jérôme, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Je te dis que si on part maintenant, mon nom apparaît en premier sur la liste. Mais quelle liste? Mais il a une liste! Enfin, c'est ce qu'on dit. Tout le monde serre les fesses à l'agence. Mais tu m'as jamais parlé de ça! C'est parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Mais les billets! Mais les billets! Parce que les acquis, c'est pas inné, c'est acquis, justement. Alors ils font tout pour nous faire croire que Marc est mort. Mais nous, de notre point de vue, on aurait tort de le penser, parce que... comment dire? Oh, tu aimes retirer les fruits de ton labeur, comme un ouvrier consciencieux. Tu l'attaches, le rebut de pain, hein. Bon, évidemment, on peut aussi se poser aucune question. Et alors là? Attention, ils rigolent bien parce qu'ils font tout pour nous faire croire que Marc est mort et qu'il n'y a plus rien à dire parce qu'il est mort à la télévision tous les jours. 2564 jours que Marc est mort et n'est toujours pas réapparu, compris? Mais t'inquiète pas pour eux, ils savent y faire, compris? Parce que comme ça, ben il les emmerde plus, hein. Parce qu'il les a quand même salement emmerdés. Parce qu'il a quand même salement mis des bâtons dans les roues du capitalisme avec ses histoires de lutte des classes, de vaincre du prolétariat, tout ça. Donc, on s'en va à 5h-5? Non! Vous êtes payés pour être sur votre lieu de travail à 8h précises. Afin de pouvoir justement commencer à travailler le temps que vous mettez à le parcourir ne rentre absolument pas en ligne de compte. D'autant que si le trajet s'avère être le même dans les deux sens, il ne m'a pas échappé à moi que le temps que vous mettez à le parcourir n'est pas exactement le même selon que vous arriviez le matin ou que vous sortiez le soir. Tu fais partie de ceux qui s'en sortent, Jean-Louis. Tu t'en sors magnifiquement. N'oublie pas ça. Tu disposes d'un capital de sympathie que beaucoup envient. Non! Personne ne t'envie! Personne ne t'envie quoi que ce soit! Arrête de penser ça! Personne ne veut te faire du mal! Tout le monde t'apprécie? Tout le monde reconnaît tes mérites? Chacun est heureux de te voir réussir? Nous sommes dans un état de droit. Que crains-tu? C'est la démocratie, Jean-Louis! La démocratie! Tu vis dans une société libre et tu n'as rien à craindre de la justice. Tu es innocent. Jean-Louis
innocent. Mais il est hors de question qu'on parte maintenant. Ce serait suicidaire. Tu ne peux pas savoir l'ambiance qui règne à l'agence. C'est la chasse à l'homme. Mais enfin, Jérôme, ce sont nos vacances. Ce sont nos vacances. Mais tu ne comprends donc rien à ce que je te dis. Je te dis que si nous partons maintenant, nous partons pour des vacances illimitées. Ce ne sera plus mes congés, mais mon congé. Et alors là, hein, pour les crédits, ça deviendra rapidement coton, hein. Mais coton, mais... Mais tellement coton que... on finira par aller chanter du gospel dans le métro. On ira peut-être dire bonjour à l'abbé Pierre, hein. Tant qu'on y est. Ça te plairait, toi? Pas moi. Cet homme-là, je l'aime bien, comme tout le monde, hein. Mais de loin, de loin. Je n'ai pas fait une école de commerce pour m'entendre dire que les derniers là-bas, bah, sont les premiers. Sans compter que faudrait que t'apprennes le malien, hein, pour discuter avec tes voisines de tante. Pendant que moi, j'irai chasser le gibier dans le bois de Vincennes. Vas-y, parle-moi de la machine. Parle-moi d'abord de marketing vente. La machine d'abord. Mais Thérèse, je me suis écrasée comme une lope. J'en suis venue à lui dire que ces vacances, j'y tenais pas tant que ça. Et que pour tout dire, j'étais même soulagée de ne pas partir. C'est vraiment l'enfer. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Jérôme, tu vas pas te laisser faire. Tu es la machine qui écrase l'acier et le fait se soumettre. La machine qui broie, qui déchire le métal, qui le fait se tordre et se fondre dans des hurlements. La machine gavée, replie de travail, mais qui de sa gueule béante en redemande encore. La machine qui est le travail, qui n'existe que pour le travail, qui ne s'arrête jamais dans sa faim de travail, ah, est insatiable et dans son désir violent de voir renaître tous les jours le travail encore à accomplir comme une promesse. Chaque jour renouvelé! Ma pauvre Thérèse, je suis bien obligé de m'adapter à la situation. Berthier le répète tout le temps. En période de crise, survivront ceux qui savent s'adapter à la situation. Ce n'est plus de l'adaptation ce qui me concerne. C'est de la révolution de Moïse! Je mute, Thérèse! Je me transforme! La langue, Thérèse. La langue. Et c'est qu'à la fin que j'étais d'extrême gauche. Il y a de quoi rire, hein, je te jure. Je suis passé maître en l'art de lécher les parties génitales. Ah, ça ne lui déplaît pas. Non. Bien au contraire, il en demande. Mon petit Jérôme, vous pourrez bien m'apporter un petit café. Vous pouvez bien faire ceci, vous pouvez bien faire cela. Et allez donc. Avec son sourire mieux là. Il veut ma peau. Je le sens. C'est personnel. Excuse-moi. Ça va, je comprends. Je ne peux pas faire autrement. Mais t'en fais pas. Pourquoi tu te mets toujours dans des états pareils? C'est juste un boulot. Ça se retrouve. Il suffit juste de traverser la route. C'est normal de réagir comme ça. Moi-même, j'ai mes propres états d'âme. En vérité, je ne supporte plus ma vie ici. Son bureau, c'est l'endroit le plus dangereux que je connaisse. Quand j'entre dans son bureau, j'ai l'impression de me retrouver dans la jungle. L'atmosphère devient subitement moite. Je me mets à transpirer et j'ai comme des palpitations. Il m'attend en souriant. Et je sais qu'un combat va commencer. Le pire, c'est quand il me parle de philosophie et qu'il m'oblige à répondre à ses divagations sur la vie, la mort. Je finis par me perdre sur le rapport entre le livre des morts tibétains, la physique quantique. Lui, il m'observe avec ses silences à la... Brando, dans Apocalypse Now. Non. Ma seule chance, c'est de continuer à lui lécher les peaux. Améliorer mon coup de langue. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
lui planquer mon poing dans la gueule et être viré sans indemnité. 2 ans. Il faut que je tienne 2 ans. Après, on y verra plus clair. Si je lèche bien, avec un peu de chance, j'aurai ma place. Et alors là, là, Thérèse, ça va changer. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça te plairait de me voir arriver, Jean-Louis ? N'es-tu pas sans le savoir ? À l'écart de l'idéologie dominante ? Comment le savoir ? Fais-tu bien ce qu'il faut pour ne pas éveiller les soupçons ? Ne transgresses-tu rien à ton insu ? Comment le savoir ? As-tu correctement répondu au test ? Comment le savoir ? Peut-on déceler dans ton comportement une faille qui irait à l'encontre de ce que l'entreprise t'a enseigné ? Quelque chose, à toi, qui irait à l'encontre de la productivité ? Qui nuirait à la rentabilité de l'entreprise ? Ne résisterais-tu pas au système sans le savoir ? Malgré tes innombrables preuves d'allégeance, ce système à qui tu dois tant, ne ferais-tu pas mieux d'en avertir les directions ? Si on pense que Marc est mort, bah c'est fini ! On part dans le vide ! On peut continuer à parler comme ça longtemps ! Parce que vous ne me ferez pas croire que la lutte des classes, elle n'existe pas ! Faudrait être aveugle pour pas la voir ! Tous ces mecs dans la rue comme un merde, je sais pas moi ! Mais peut-on parler de lutte des classes ? C'est toute la question ! Peut-on parler de classe ? Chaque type exclu est une inégalité à lui tout seul. Chaque type exclu est une classe à lui tout seul qui n'a rien à voir avec l'autre type exclu qui est lui aussi une classe à lui tout seul. Et tous ces types s'excluent les uns les autres indéfiniment et on voit pas comment on peut, on sait plus. On sait plus du tout, du tout, du tout, du tout. Ça planque la trouille, hein, les gars. On sait plus du tout, du tout, du tout. Ça va finir dans la rue, cette histoire-là. Ça... On peut pas.